Hop là, salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette rapide nouvelle vidéo. J'étais en train de vous filmer quelques vidéos sur la chaîne YouTube. Je suis actuellement au parc de la Tête d'Or à Lyon et je voulais vous faire une rapide nouvelle vidéo pour vous donner quelques news. Je la tiens à la main et je voulais vous faire quelques news sur l'évolution de la chaîne, sur également l'évolution des différents emails que je peux vous envoyer pour promouvoir à chaque fois les vidéos que je vous fais, vous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans chacune des vidéos, etc., etc. Ceux qui sont abonnés à ma newsletter le savent, le lien se trouvera bien évidemment en description pour ceux qui veulent s'abonner. Et dans cette vidéo, j'aimerais répondre également à une rapide question. Donc trois choses dans cette vidéo, on commence tout de suite. La question, c'est tout simplement oser, comment oser prendre la parole en public et comment arriver à progresser rapidement. Je vais répondre une bonne fois pour toutes à cette interrogation que beaucoup d'entre vous peuvent se poser. C'est très simple. Je ne vais pas vous dire il faut lire 40 000 bouquins, il faut suivre 40 000 formations, il faut regarder toutes mes vidéos de A à Z. Rassurez-vous, la meilleure façon de progresser, c'est ce que j'ai moi-même mis en place, c'est d'oser prendre la parole, d'oser aller faire les choses, d'oser aller communiquer avec des personnes que vous ne connaissez pas, d'oser juste dire un petit mot à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, etc. et d'oser parler en réunion ou prendre la parole. Moi, c'était dans le milieu scolaire vu que actuellement j'ai 21 ans, donc vous imaginez bien que dans le milieu professionnel, j'ai pas eu l'occasion de parler à des millions de gens. Mais c'était dans le milieu scolaire, c'était avec des enseignants à la fin d'un cours, c'était pendant le cours devant une trentaine d'élèves, devant une cinquantaine ou une soixantaine d'élèves en amphi, etc., etc. Le but, c'est vraiment d'arriver à communiquer de plus en plus et arriver à progresser là-dessus. Un, pourquoi ? Parce que vous allez vous sentir progresser en lisant des bouquins, en suivant des formations, en regardant des vidéos. Vous n'allez pas pouvoir progresser parce que vous n'allez pas mettre en place les choses. C'est extrêmement intéressant de suivre tout ça, de regarder tout ça. Je ne vous invite pas non plus à vous désabonner de la chaîne, mais concrètement, vous devez apprendre à progresser par vous-même et à mettre en place et oser prendre la parole. Vous allez vous sentir progresser. Deuxième facteur, vous allez bien évidemment mettre en place les techniques que vous avez apprises en suivant mes vidéos, dans des bouquins ou pour les personnes qui suivent mes programmes avancés. Bien évidemment, c'est la meilleure façon de progresser rapidement. Vous pouvez me contacter par mail, etc., etc. Maintenant, je sais que voilà, il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'envie, le besoin ou qui ne ressentent pas le besoin de suivre ces programmes. Donc, comme vous voulez. En tout état de cause, le but, c'est tout simplement d'oser prendre la parole et de pratiquer. Une fois que vous avez fait ça, le but, c'est même pas ce que vous allez dire, on s'en fout un petit peu. J'ai envie de vous dire, vous parlez anglais, vous parlez chinois, vous parlez n'importe quelle langue, vous parlez même une langue qui n'existe pas. Le but, c'est vraiment de faire la démarche. Parce qu'une fois que vous aurez fait la démarche, ce qui se passera, c'est que vous mettrez des automatismes en place dans votre cerveau. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Donc même si vous n'avez pas une super élocution, même si vous ne savez pas super bien parler, même si vous n'employez pas le bon vocabulaire, même si vous bafouez, etc. Le but, c'est vraiment d'arriver à communiquer le plus de fois possible et d'oser prendre la parole. Maintenant, l'évolution de cette chaîne YouTube et l'évolution que je vais offrir aux personnes qui suivent ma newsletter. C'est très simple. Au lieu d'avoir 3 vidéos par semaine, je vais passer à un rythme de 2 vidéos par semaine. J'ai lancé une autre activité en parallèle. Je propose la création de sites internet pour les entreprises et tout simplement, c'est un petit peu compliqué de tout gérer. Donc, je n'abandonne pas, vous inquiétez pas, je reviendrai à un rythme de 3 à peu près au mois de, normalement au mois d'août, septembre, octobre. Je commencerai à reprendre les vidéos, 3 vidéos par semaine sur la communication, mais en attendant, je passe à un rythme de 2. Je pense que pour vous, c'est déjà énorme, donc il y aura une vidéo qui sortira le lundi à 19h et une vidéo le vendredi à 19h. Et pour les personnes qui suivent ma newsletter, vous recevrez un email le lundi à 19h uniquement, où je vous mettrai le lien des deux vidéos, je vous mettrai un résumé des deux vidéos et je vous mettrai votre accès à votre espace membre sur mes formations vidéo. Donc voilà, si vous souhaitez vous inscrire, vous avez le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. J'aimerais également vous questionner, qu'est-ce que vous souhaitez voir sur cette chaîne YouTube? J'ai fait une petite liste juste ici et je vous pose une question ouverte. Quel sujet vous aimeriez que je traite? Est-ce que vous voulez que je traite les entretiens? Comment réussir un entretien? Comment créer une lettre de motivation, etc., etc. Est-ce que vous voudriez que je m'axe sur la communication au travail? Comment communiquer efficacement au travail? Sur la négociation? Comment réussir à négocier efficacement? Parce que vous êtes vendeur, vous vendez des prestations, vous avez une entreprise, etc., etc. La motivation, l'entrepreneuriat, le fait d'être plus productif, etc., etc. Comment moi, par exemple, j'arrive à créer 2 articles, 2 vidéos, des articles invités sur d'autres chaînes, sur d'autres blogs, etc., etc. Plus actuellement une autre activité où je propose la création de sites aux entreprises.
ou tout simplement sur votre communication de relations sociales. Si tout ça vous souhaitez, vous avez des sujets que vous préférez, etc., vous me les mettez en description de cette vidéo. Je prendrai bien évidemment en considération tous vos commentaires et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Normalement, je sortirai celle-ci lundi et ensuite, on se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo vendredi à 19h. Merci d'avoir suivi celle-ci et mettez-moi en commentaire ce que vous voulez voir sur cette chaîne YouTube, les amis. Ciao, ciao.